On a des amis qui arrivent de longue date, qu'on n'a plus vu depuis très longtemps et qui étaient déjà venus nous voir quand on était dans la caravane au bord de la mer, pas très loin. Et ils sont de retour. Ceux qui les suivent sur YouTube savent qui c'est parce qu'ils l'ont annoncé. Et c'est Famille Épanouie. Salut. C'est ouf. C'est ouf. Bon allez, on coupe. Comme ça, avec des arbres partout, quoi. Des comme là-bas. Oui, ma chérie. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Salut les compagnons, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est vendredi 4 mars. Alors hier, il n'y a pas eu de vlog, comme vous l'avez vu juste avant. On a des amis qui sont arrivés et on était très 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 contents de les voir. On n'a pas filmé, on n'a pas fait de story, on n'a pas filmé en dehors de ce que vous avez vu juste avant, qui était leur arrivée. Et voilà, ça nous a fait un grand 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 bien. Je disais donc, c'est une très bonne journée. Pardon. Qui commence, on va vraiment faire le plein pour profiter. On sait pas combien de temps il reste. En fait, c'est juste freestyle, c'est juste le plaisir de se retrouver, d'échanger, de partager. Les enfants étaient fous de joie. Alors même si nous, Eleanor et Titi se rappelaient plus trop, Gaspard avait encore un souvenir. Il se rappelait de la caravane, je crois que c'est ce qu'elle même me disait. Mais c'est vrai que nous, ils étaient encore très petits. Eleanor, la dernière fois, avait 4 ans et demi. Alors même si on a passé 5 semaines ensemble, et ben voilà, ça fait quand même plusieurs années. On avait raté vraiment de 3 fois rien d'arriver à se voir en Suisse en 2019. Et puis après, ben voilà, vous savez un petit peu, on est juste rentré un micro temps en 2020. Et puis finalement, on n'est plus rentré. Eux, l'année dernière au Costa Rica, c'est proche, mais ça reste pas à côté non plus, donc du coup on n'avait pas trop pu se voir à ce moment là puis c'était encore vraiment assez coincé, on va dire, à part le Mexique qui était ouvert, mais les voyages et les déplacements étaient relativement compliqués. Donc voilà, autant dire que on est très 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 content de se retrouver et c'est cool. Je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Si ce matin je pars avec Avélie, on va aller faire les courses, comme ça on va pouvoir... Mais qu'est-ce qu'il y a, mon capou? Oh, tu veux des caresses? Ben oui, je sais, ces chats sont pas vraiment des chats. On a toujours eu l'impression avec ça aussi. Ils se sont trompés de corps quand ils se sont incarnés parce que ils sont... C'est pas vraiment des chats en fait, c'est trop bizarre. Mais ils sont adorables. Et on va aller faire des courses, du coup on va pouvoir remplir les frigos. Moi je les ai pas faites cette semaine. Eux ont les frigos vides, et pour cause, bah, ils arrivent du Costa Rica. Donc voilà, ça va être un petit peu le programme. Et puis nous on a un peu de boulot. Eux en ont beaucoup aussi. Donc voilà, c'est le plaisir d'être pas très loin. L'avantage aussi du fait d'avoir la caravane, ça permet que ben ils aient aussi une maison, une autonomie, et que nous on puisse avoir la nôtre aussi, et que en fait on se retrouve pour les bons moments, que les enfants puissent passer tout le temps ensemble qu'ils souhaitent. Et voilà, c'est chouette. Franchement, c'est vraiment chouette. On est très très content qu'ils soient là. Donc sur ce, la journée commence. Je vais aller voir combien il fait. Alors j'ai mis un manche longue. Il fait pas chaud, il fait pas si frais. Franchement, les nuits dernières ont été plus fraîches. Donc, tu ramasses les feuilles avec Dando? Oh, Digger. Bonjour, mon fils d'amour. Bonjour, mon ange. Bonjour, mon ange. Ça va, mon cœur? Oui. Ton frère et ta soeur t'ont laissé dormir. Ça va? T'as pas froid, là? T'as pas mis de pull? Non. Non? Non, t'as pas froid, t'es pas frileux? Non. Bon, super. L'habitude. T'as l'habitude. On va aller déjeuner. Je pense que t'as pas l'habitude du grand froid quand même, hein.
J'ai pas l'habitude quand je sors trop tôt parce que c'est super glacial. Super glacial. Quand c'est comme ça, super glacial pour le Mexique. Parce qu'on sait que vous avez plus froid que nous, pour la plupart. Donc voilà, bah, en parlant de froid, combien il fait? Tiens, on va aller voir ça. Ma belle Loucette. 18. Et un taux d'humidité à son apogée. Hop. Les jeux que les enfants ont sortis ensemble hier. Ils vont être trop contents de pouvoir continuer à jouer. Hop, maintenant on va aller chercher le reste. Bon, comment ça va les enfants? Bien. Vous êtes bien là? Oui. Cool. C'est bon? Oui. Cool. Vous amusez bien tous ensemble? Oui. Oui. Bon, grosse avancée aujourd'hui les compagnons, parce que regardez. Ça commence le sol. Il coule. Par contre, c'est vraiment chelou. Ça fait plusieurs heures qu'on n'a plus d'internet. Mais il n'y a pas de réseau, pas de signal 3G, pas de 4G, pas d'internet, rien du tout. Même à la ville. Et on a un beau temps ensoleillé et tout. C'est vraiment bizarre parce que c'est et l'internet. Et par câble en fait, et aussi l'internet, enfin le réseau cellulaire quoi. C'est un peu bizarre. On verra. Bon, on est bien rentré des courses, on vient de terminer de manger, on est bien repu. Nana m'a dit qu'il y avait une fuite d'eau dont il fallait que je m'occupe, donc je vais aller voir ça tout de suite. Ça m'a l'air d'être ici. Voilà, le tuyau s'est déconnecté en fait. On a un bug d'internet, mais même de réseau en fait, depuis ce matin très tôt. On a reçu quelques messages et en fait, on est parti faire les courses du coup en ville et zéro réseau, comme si les antennes étaient hors service. J'espère qu'on va pouvoir publier cette vidéo, j'espère que l'internet va revenir, on en a tous besoin pour travailler. Bon voilà, en attendant, bah, du coup on profite, hein. Sans internet, j'avais tourné des stories et en fait du coup bah, ça j'avais pu se poster parce que c'était déjà trop tard. Donc on va bien voir, c'est assez surprenant, c'est quand même la première fois que ça nous arrive. Bon voilà, on verra bien, hein. De toute façon pour l'instant on fait sans. Voilà, on espère juste qu'on va pouvoir vous poster ces vidéos. Bye bye, je t'aime Mimi. Bye, je t'aime, maman. Maman cœur. Allez. Ou maman fleur, j'ai un doute, tiens du coup. Regardez. Ça avance de folie. Ce matin, je vous montrais, ils ont bouché les avec les décombres du coup. Ici et là, ils sont en train d'avancer le toit. C'est trop chouette. Le toit, non mais moi je suis vraiment fatiguée. Ils sont en train d'avancer le sol. Je vais me mettre en 0,5, vous allez mieux voir. Bon, en 0,5, on va tout de suite mieux. Hein. Donc là, en fait, ils vont venir aujourd'hui jusqu'ici, jusqu'à l'escalier. Donc pour accéder à notre chambre qui est ici, on va passer par la baie vitrée extérieure pour pouvoir rentrer. Et c'est super cool parce que ben, demain, du coup, ils vont faire toute cette partie-là jusque là-bas. Donc ça, c'est trop cool. Demain soir, on a un sol. Trop contente. Luce, où est-ce que t'es allée? Regarde-moi ces miso tout noir, coquine. Mon petit crassion. Petit crassion, mon bébé. Ça a l'air bien s'amuser par là-bas. Alors, t'en as gagné combien? Ça doit être une lire. Très bien, donc là il y en a combien? T'en as combien au total des croix? Non. Non, oui, mais toi t'en as dessiné combien des croix? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Donc 2 plus
2 plus combien? On a fait combien? 7. Donc 2 plus 7 est égal à 9. Très bien. Super. Ensuite, 5. Très bien. Alors, tu peux relier le 14 et le 11 ensemble. Moi, si tu veux, je ne pensais pas à ta vie. Oui, très bien, Hélène. Bon, comment il va, le Fabien? Il est coupé du monde. Il sait plus quoi faire, il est coupé du monde sur Internet, on sait plus quoi faire. On a plus d'Internet, ouais. On va aller voir ce qui se passe à la ville. Ouais. Pas de réseau cellulaire, pas de Wi-Fi, que dalle. Alors nous, vu qu'on est là depuis un jour, on sait pas trop. Donc on peut que vous croire que c'est nouveau. Ça arrive jamais, sauf en cas d'ouragan, quoi. Donc, ouais, puis là, il n'y a pas vraiment d'ouragan, quoi. J'espère que tout va bien. Allez, on va voir. Bon, ça y est, on vient de terminer une grosse heure et demie de... une heure et demie là d'école pour tous les loulous, tous les cinq. Louison fait encore la sieste. Les grands sont partis déjà se mettre en maillot. Ils vont à la piscine avec Amélie. Moi, je vais me changer, je vais y aller aussi. Oula, il y a du vent. J'espère que vous allez m'entendre. Sam et Fabien sont partis avec la voiture pour aller voir s'il y avait du réseau quelque part. Parce que je vous cache pas que c'est quand même assez perturbant ce qui se passe. Non pas que ça me traumatise. Au contraire, des fois, je me dis que ce serait peut-être même plutôt bien. Et en même temps, voilà, juste savoir en fait si c'est normal, que tout va bien. Parce qu'en général, quand on va au village à côté, il y a du réseau en fait. Et là, le fait qu'il n'y ait pas de réseau au village à côté, qu'il n'y ait pas de réseau à 20 minutes d'ici, c'est quand même assez surprenant, on va dire. Bon, sur ce, j'arrive à la maison. Je vais vous montrer, je ne vais pas parler trop fort parce que Louise endort. Et je vais vous montrer un peu ce qui a été fait. Alors, ils ne sont pas allés jusqu'aux escaliers comme ils pensaient le faire. Mais ils ont avancé encore un petit peu, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ils ont avancé encore un petit peu. Bon, bah, c'est cool tout ça. Hein. C'est vraiment cool. C'est super chouette. Donc, bon. Bah, ça y est, la semaine prochaine, on aura un sol. Et mardi, notre aluminiéro vient prendre les dimensions exactes pour pouvoir nous poser les fenêtres. On les a déjà payées il y a déjà un moment, pour qu'ils puissent acheter le matériel en vue de la hausse du prix des matières premières. On avait anticipé ça et on avait payé et il avait acheté tout l'aluminium et le verre qui était nécessaire. Donc là, voilà, il ne reste plus qu'à les monter, mais avant qu'ils découpent l'aluminium, il fallait avoir les mesures exactes. Donc là, voilà, mardi, ils viennent prendre les mesures exactes. On espère avoir les fenêtres très bientôt. Bon, surtout, ça se couvre. Je ne sais pas si on va trop se baigner. En tout cas, moi, je suis vraiment frileuse. Je ne sais pas si je vais y aller, mais en tout cas, voilà. Je vais les accompagner par la pensée, en tout cas. Bon, il est 5h15 et ça y est, le réseau Telcel vient de revenir. On a été coupé pendant 10h, c'est trop bizarre. Apparemment, AT&T a fonctionné à ce moment-là. Mais personne de ceux qui avaient chez Telcel, en fait, n'avait de réseau. Nous, ce qui était très bizarre, c'est que même du coup, l'antenne... Qu'est-ce que tu fais, Malouz ? Tu te balades avec les poulettes ? L'antenne n'émettait pas de Wi-Fi non plus du tout, donc un peu perturbant. Mais ça va, c'est revenu, donc je suis très très contente. C'est ce que je disais sur Insta. On va pouvoir vous publier ce vlog du coup qu'on a filmé. Enfin, je me suis dit, je vais filmer. Puis on espère que l'internet va revenir. Si ça revient pas, tant pis, c'est pas grave. Mais si ça revient, c'est cool, on pourra vous le publier, vous le partager. Donc je suis bien bien contente de ça. On a descendu quelques bananes, même beaucoup de bananes, qui étaient bien bien mûres, des régimes qui étaient devant la maison. Et donc là, du coup, ce soir, on va manger, je pense qu'on va faire riz, poivron, c'est ce qu'on se disait. Et puis des bananes du jardin, ici, on fait des bananes frites. Et je sais qu'il y a beaucoup ça aussi en Amérique centrale, c'est super super bon. Je pense que ça se fait pas mal aussi en Afrique, des bananes qui sont... c'est un type de banane bien précis, hein, mais qui sont coupées en lamelles et qui après sont cuites dans de l'huile. Alors moi j'adore dans l'huile de coco, c'est vraiment trop trop bon. Donc voilà, je pense que ça va être le repas du soir. Donc Timothy, je crois qu'il y a Arthur et Constance qui sont baignés aussi. Et là non, on n'y est pas allé, c'était vraiment trop trop froid. Mais voilà, c'est vrai que là du coup ça s'est un petit peu couvert, on a eu quelques bourrasques devant. Donc c'est vrai que ça refroidit très vite et puis bon, comme c'est déjà la fin de journée, eh bien le soleil est parti se coucher. Moi j'ai mes poulettes qui sont en train de gambader un petit peu partout. Hop. Elles sont bien là, c'est cool.
au début, je surveillais vraiment beaucoup parce que voilà, je faisais pas mal attention au fait que Luce, pouvait potentiellement trop s'en approcher. Hein. On a eu une fois l'expérience malgré la surveillance. Et en fait, non, ça y est, là, elle a vraiment pris le pli. Alors, je sais, ça reste un chien, etc. Mais donc, on n'est jamais très très loin. On ne laisse pas des heures sans être à côté. Mais voilà, c'est comme si elle avait compris et que le dressage faisait ses preuves. Et donc, on est bien content de tout ça. Voilà, bon, sur ce, je vais aller leur donner à manger et puis les rentrer rapidement. Je vais aller faire un petit tour au potager pour voir s'il y a des choses dont on va avoir besoin pour la cuisine de ce soir. Puis voilà, je pense que la journée sera bientôt terminée. Enfin, en tout cas pour le vlog, pas pour nous, parce que je pense qu'on va se faire un jeu de société ce soir, ça serait cool. Donc voilà, nous on adore ça, ils adorent ça aussi, donc c'est chouette, c'est ce genre de soirée là. Donc je pense que ce sera plutôt plus ou moins le programme, en espérant que Seb va vite pouvoir vous monter ce vlog et qu'il va pouvoir être avec nous aussi. Du coup, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ce n'est pas déjà fait, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve dans la prochaine vidéo, demain du coup. Allez, ciao ciao. Oh, il est incroyable ce soleil. Je sais pas si ça rend bien la caméra, mais il est énorme.